l'objectif, c'est vraiment de déployer cette grande campagne de communication dans chacun des départements, aujourd'hui dans le département de la Mayenne, pour promouvoir, pour lancer ce cri du cœur à l'ensemble des chefs d'entreprise de prendre un stagiaire. Parce que derrière chaque stagiaire, c'est les futurs salariés de nos entreprises. Derrière chaque stagiaire, c'est les futurs chefs d'entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire impacte certains secteurs économiques. Je pense notamment à l'aéronautique, l'automobile ou la restauration. Mais on a aussi des entreprises qui vont bien et on a des entreprises qui peinent à recruter. Et donc, c'est important de pouvoir soutenir l'ensemble de nos jeunes dans leur cursus scolaire. Découvrir la réalité des entreprises pour qu'ils puissent observer, tester, s'entraîner. Et aussi voir le plaisir de travailler ensemble dans un domaine collaboratif au sein de l'entreprise. Ça leur permet de valider leurs acquis directement sur le terrain, en étant guidés et en prenant surtout confiance. Les hommes politiques aujourd'hui ont pris conscience que la France avait besoin d'une industrie forte. Alors on parle de relocalisation, les produits de demain, pour certains, peuvent très bien être fabriqués en France. Et c'est ce qu'il faut faire, surtout qu'avec les nouvelles technologies, nous avons des atouts en France, à nous de les mettre en place dans nos entreprises. Les jeunes sont très affûtés sur ces pratiques, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les robots collaboratifs, on le voit dans toutes les écoles. Ils arrivent avec toutes ces connaissances et ils vont pouvoir les déployer dans nos entreprises. Derrière, nous avons les organisations patronales, nous avons les chambres consulaires, les branches professionnelles qui sont mobilisées pour porter cette grande campagne de communication. Et puis derrière, c'est bien évidemment que les jeunes puissent s'inscrire sur le portail choisirmonstage.fr, de mettre en relation les entreprises et les jeunes.